各位观众，现在开始我哋第二年个《Bo Show》个节目，我哋今日好荣幸为你介绍 Norma Broadway。 Ça va être dernier. Ça va être pas.
Vous poser une question, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font exactement sur cette pochette?
Je sais pas. Non, c'est une devinette, je sais, c'est une colle. J'ai aucune idée. Non, mais il faut vous prononcer. Moi, je me suis prononcé. Si, il regarde oui. le paysage. Oui, mais leurs mains, qu'est-ce qu'elles font? Je sais pas, attends. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont tout simplement leurs mains dans leur poche. Ah oui, hein? Peut-être comme dans le merveilleux commercial, tu sais, qui est équipé. Enfin, je souhaite qu'il le soit. Mais enfin, c'est un disque qui s'appelle Sunshine on Leaf. Est-ce que vous savez, Normand, ce que c'est Leaf? Non. Vous ne savez pas ce que c'est que Leaf? Non. Mais je vais vous le dire. C'est un quartier, le quartier ouvrier qu'on voit d'ailleurs ici à Édimbourg, qui est sur la rive sud d'Édimbourg, sur the Firth of Forth. Firth of Forth, savez-vous ce que c'est? Gros hiver là-dedans. Non, the Firth of Forth, the Firth est un nom gaélique pour un estuaire. Le Forth, c'est la rivière qui passe là. Donc ici, c'est très important qu'on sache qu'ils chantent en fonction de ce quartier de Leith, parce qu'ils parlent justement de ce problème. Ils sont très, très, très politisés, ces gens-là. Ils disent non, on n'est pas politisés, mais ils chantent des chansons très politisées, mais ils ne chantent pas que ça aussi. Ils chantent des ouvriers qui est le chômage et tout du nord de l'Angleterre, ce qui est très touchant. Mais ils chantent aussi l'amour, ce qui est, je crois, le plus intéressant de ce disque. Pour moi, quand on chante l'amour, je pense qu'on fait véritablement la chanson. Et ce qu'ils chantent, ils chantent d'une façon très particulière, une phrase que j'ai beaucoup aimée, vous avez aimé aussi, Normand. Ils disent « My desire is to stretch myself in her fire, in her body's fire », c'est-à-dire « mon désir est de m'étirer dans le feu de son corps ». Comprenez-vous ce que ça veut dire? C'est beau ça, hein? Ça, c'est le vrai amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Oui, bon. C'est toute la saison. Mais je pense que pour bien les comprendre, il faudrait qu'on les voit sur un vidéo. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait très intéressant. On va les regarder. Sinon, quand on parle de gars, on dirait que c'est mieux. Mais non, c'est parce que c'est des Écossais. C'est des Écossais. Vous savez qu'ils ont le beurre écossais. Non, ils n'ont pas le beurre écossais, mais ils ont quand même un accent très particulier. Ouais. My, it's my desire. Ouais. Là, c'est très particulier à entendre. Alors, il faut avoir une petite traduction, mais heureusement, le texte est écrit. Ouais. Non, mais ça a l'air intéressant. Oui, c'est intéressant. Ce n'est pas le plus beau disque qu'on puisse entendre, non. Mais c'est un disque qui, je crois, vaut la peine d'être peut-être écouté une fois ou deux, et peut-être qu'on peut danser sur les sons qu'on y entend. Mais maintenant, là, il y a une chose très importante, Normand, qu'il faut que je vous dise. J'ai écouté un autre disque. Oui. J'ai écouté un autre disque, celui-là, là. Il est bon. Oh, celui-là, il est remarquable. Et vous savez, j'ai presque pleuré en l'écoutant. Ah oui? Ah oui, c'est ce disque. Mais il n'y a pas de pochette à ce disque. Non, c'est un gros problème. Mais tout de même. Un moment, enfin, là. Oui, on peut le montrer comme ceci. C'est un petit disque à 45 révolutions à la minute. À l'endroit. Ah oui, je ne montais pas. Bon, moi. Qu'on voit mon nom comme oui, vous, exactement. C'est Normand qui a fait ce disque. Avec Daniel Mercure. Avec Daniel Mercure. Et non seulement vous avez été excellent, tout ça, la musique de Daniel Mercure, vous ont. Non, ça, c'est parfait. Mais il y a beau et chaud dedans. Mes deux choristes préférés. Ah, oui. Alors là, j'ai failli pleurer. J'ai entendu fait beau et chaud. J'ai essayé d'ailleurs de chanter en même temps qu'elle, mais je partais jamais à temps. Vous savez, j'étais incapable de calculer comme elles le font. Je dis, mais je les admire tellement, beau et chaud, si elles savaient à quel point je suis le président de leur fan club. C'est bien simple. Non, mais elles sont excellentes. Et ça, mais il y a un clip qui va avec ça. Il y a un clip qu'il faut voir. Paraît-il, il faut voir ça. Regardons-le. Voyons le vidéoclip. Non, je vois une prince. Je vois une prince qui
je suis venue parler un peu de ce disque-là, en fait, parce que ce disque-là a une fonction bien précise. Il va servir au concours de danse Oasis Boeschow. Alors, ce qui se passe, c'est que vous pourrez participer à un concours de danse. C'est simple. Il s'agit de danser à la façon Brathwaite. Enfin, simple, hein? C'est peut-être pas si évident que ça, dans le fond. Croyez-moi. Alors, tout le monde va danser sur la même musique, sur le funk qu'on vient d'entendre. Et le vidéo est un très bon exemple. D'ailleurs, on a vu des jeunes, des moins jeunes. Tout le monde peut participer. Alors, il s'agit d'envoyer vos coordonnées, c'est-à-dire vos noms, adresses, numéro de téléphone, ainsi que votre âge, à Concours de danse Oasis Boeschow, case postale 3000, succursale C, Montréal, Québec, H2L4X7. Et parmi les gens qui vont envoyer leur nom, on va choisir des gens qui vont passer des auditions et ils vont venir danser ici sur le plateau de Boeschow sur la musique qu'on a entendue. Ça va être intéressant, hein? Sur le disque? Oui.
strictement des percussions. Pensez-vous que, qu'un public pour ça ou je pense que oui, mais il va y avoir des pièces assez enlevantes. Ça va être un disque qui va se soigner pas mal, qui va être, on va dire, airplay. On va pouvoir jouer. Et après ça, bien évidemment, on se prépare parce qu'on a d'autres tournées. On est toujours en route, on est toujours sur la go. Là. C'est pour ça qu'on est quasiment tout le temps soufflé, pratiquement. Et on arrive, on va aller justement faire des concerts, des spectacles en, au Québec et en Ontario. Et une autre tournée canadienne au mois de janvier. Mmh. Et après ça, on s'en va en Europe. Arrêtez! On va aller en France, on va aller en Espagne, en Italie. Et de retour, encore une fois, des spectacles ici à Montréal surtout et dans le Québec. Alors, évidemment, on n'a pas besoin de s'ennuyer cet été. Salon, est-ce que mademoiselle reste avec vous pour... Cet été, on travaille justement des trucs assez endiablés. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup de danse. Puis pour les festivals, surtout, on inclut un petit peu des numéros de danse. Mais c'est bien le fun parce que tu as toutes lu mes questions puis tu as toutes répondu sans que j'ai été obligé de... C'est vrai, tu n'as pas parlé encore. Non, j'ai pas rien dit. C'est intéressant. C'est vrai, ça faisait tellement longtemps que je voulais te voir. Tu peux me faire un petit galipette par là-bas, maintenant? Ah oui! J'aimerais présenter maintenant quelqu'un qui va venir me parler de la semaine de la chanson française, Monsieur Jean-François Doré. François, bonjour. Bonjour, Norm. Alors, Jean-François, tu me parles de la semaine de la chanson française? La semaine de la chanson française d'ici. D'ici? Oui, c'est aussi la chanson française d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une semaine de la chanson française d'ici et d'ailleurs? Ou il y a... Non, pas spécifiquement. Il y a cette semaine, donc depuis hier en fait, la semaine de la chanson française d'ici, pour célébrer le fait que la chanson française d'ici existe d'une part et va très bien d'autre part. Ça va tellement bien qu'on s'est senti obligé à un moment donné d'organiser une semaine de la chanson française d'ici pour montrer aux gens que cette chanson-là existe vraiment. Ce que je trouve un peu paradoxal d'ailleurs, c'est une initiative louable, en fait, que je trouve louable en soi, mais que je trouve également dommage qu'on soit obligé d'organiser une semaine de la chanson française d'ici. Parce que si ça va si bien que ça, c'est ça. Pourquoi? Est-ce qu'on organise une semaine de la chanson brésilienne au Brésil? Est-ce qu'on organise au Japon une semaine de la chanson japonaise? Très juste. En faisant ça, on constate que même si la chanson française d'ici va bien, c'est qu'elle n'occupe pas toute la place qu'elle devrait peut-être occuper. On est obligé de faire un spécial d'une semaine à propos de la chanson française d'ici. Et ça, je trouve ça un peu donc dommage. Cela dit, ça va tellement bien que de plus en plus, bon, on vend des disques francophones québécois. Joanne en est un bel exemple, Paul Pichet en est un bel exemple, Jerry Boulet en est un bel exemple. Et tout ça fait que de plus en plus, la chanson française d'ici est d'une part reconnue, puis d'autre part, beaucoup aimé du public. Je ne sais pas si tu as vu le show de Jerry Boulet, par exemple, les shows de Jerry Boulet. Mais bon, juste une chose, Jean-François, c'est pas une... pendant cette semaine-là, je sais qu'on fait jouer beaucoup de chansons françaises d'ici à la radio. Oui. On en fait jouer. Il y a des événements spéciaux à la télévision, mais c'est à la radio. C'est pas une excuse pour en faire jouer, puis après ça, ça lave les mains, dire c'est réglé? C'est ce dont j'ai peur. Parce que d'une part, pendant cette semaine-là, on n'empêchera personne de continuer à faire tourner de l'anglais. Je ne sais pas si pendant cette semaine-là, dans chacun des postes de radio, on va en faire tourner plus qu'on en fait tourner d'habitude. Je sais qu'on va en parler plus parce qu'il y a un paquet d'émissions spéciales. Et ça, dans toutes les régions du Québec, tant à la radio qu'à la télévision. Mais comment ça se fait que tout à coup, on découvre qu'on peut faire dans certaines stations privées une entrevue avec Jerry Boulet, puis que le restant d'année, on n'a pas de place? On n'a pas de place, oui. C'est ça que je trouve un peu presque dramatique dans la mesure où c'est presque synonyme d'une acculturation du côté de la musique anglophone. Et ça, je trouve ça dangereux. Quelque part, je ne veux pas être méchant en disant ça, mais c'est du pétage de bretelles à propos de choses qu'on devrait faire presque naturellement. On devrait faire ça, ça devrait être l'année à longueur d'année de la chanson francophone d'ici, d'autant qu'elle est de très haute qualité. Bon, Michel Rivard en est une preuve, on peut en nommer pendant des minutes. Jean-François, est-ce que y a-t-il quelque chose de positif? Oui, la chanson française d'ici va très, très bien. Mais dans la semaine de la chanson française. Est-ce que tu vois quelque chose de positif? Je trouve ça le fun. Oh. Non, mais comme je te dis,
Effectivement, c'est un effort très louable. Ouais. Et effectivement, pendant cette semaine-là, bon, tout juste avant la Saint-Jean-Baptiste, puis ça fait un peu le point et le pont entre les Félix qui ont lieu à l'automne, le gala Métro, etc., Star, qui a lieu un petit peu avant, et qu'on continue à en parler, bon, c'est tout juste avant la Saint-Jean-Baptiste, puis ça vient à point nommé pour, peut-être une fois par mois, à travers divers événements, dont celui-là, relancer et conscientiser les gens à l'existence de cette chanson-là. Mais de plus en plus, à cause de la qualité sans cesse croissante de la chanson francophone ici, les gens en veulent, en demandent. Et les plus gros vendeurs de disques et de spectacles des deux, trois dernières années, ça a été des chanteurs et des chanteuses d'ici. Et ça, c'est extraordinaire. Bon. Ben, c'est bien pareil. C'est tout à fait bien. Donc, on encourage quand même la semaine à venir. Ah oui, tout à fait. Okay. Donc, je souhaite que ce soit un apport louable. Oui, que ça devienne le mois. Et le mois, puis l'année, puis la décennie. Ben, écoute-moi, Jean-François, on va en écouter justement de la chanson française d'ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un lien. Oui, c'est pas mal. C'était pas mal. Merci beaucoup, Jean-François. Je me lève parce que cette chanson-là, c'est une nouvelle chanson de Joanne Blouin. Elle a fait un studio. C'est une chanson de Libère Subirana et Jim Corcoran qui va probablement être sur son prochain album. Et si moi, je joue dans cette chanson, c'est parce que effectivement en studio, Libère Subirana m'a appelé et c'est vrai, c'est une vraie anecdote. Il m'a téléphoné et puis il m'a dit qu'il y avait les clavieristes en studio qui ne pouvaient pas le jouer. T'as pas capable de faire cooker la gig, comme on dit en français. Faire le gig. Alors, on m'a engagé pour jouer cette pièce. Et les clavieristes étaient Daniel Mercure et Jeff Fisher, qui n'ont pas été capables de la jouer. Alors, je vais la jouer aujourd'hui. Ça s'appelle « Regarde-moi », c'est de Jim Corcoran du Bass Beridan. Alors, Joanne Blouin! Come on.
J'ai avec moi la déesse de l'actualité. Oui. Oh, ouais, t'as vu ça là. Jojo Prince. Alors, Joanne, oui, ça va bien passer un bel hiver? Oui, très bien. Oui, oui, bel hiver. Oui, oui. Travailles-tu toujours à... où tu travaillais? Oui, à CKC. Ah, OK, parfait, oui, toujours. Oui. Pas de problème. Il se passe beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui, mais il y a une petite nouvelle qui a retenu mon attention ce matin. J'avais envie de t'en parler ce soir. Tu te souviens de dans les parcs d'Outremont, il y a 2 ans, on avait interdit les bikinis. Les costumes de bain. Alors, ça avait fait parler beaucoup de la ville d'Outremont. On s'était un peu moqué, évidemment, de l'administration. Et là, semble-t-il qu'ils ont engagé des gardiens armés pour patrouiller les parcs. C'est pas vrai. Oui. Au cours des 2 dernières semaines, il y a des gardiens armés d'une firme privée qui sont venus aider les gardiens. Tu sais, à chaque année, on engage des étudiants pour venir surveiller dans les parcs, faire sortir les gens lorsque les heures sont venues. Bon, enfin. Et là, il paraît qu'il y avait des groupes de jeunes qui s'installaient dans les parcs, dans 2 parcs, entre autres, à Outremont, Saint-Viateur et Outremont, et qui étaient armés de couteaux. Bon, c'est la grande mode, on en a parlé beaucoup cet hiver, et qui faisait peur, finalement, au petit gardien étudiant qui, lui, n'est pas du tout armé et refusait de sortir le soir. Alors, le maire d'Outremont, M. Choquette, n'a pas fait ni un ni deux. Il a engagé des gardiens armés. Il y avait une photo, d'ailleurs, ce matin dans la presse assez éloquente. On voyait le monsieur en uniforme avec le revolver à la ceinture qui patrouillait les parcs d'Outremont. Il semble que c'est très tranquille depuis ce temps-là. Ils n'ont eu aucun problème. Donc, ils ont mis fin à l'opération et pourraient la répéter si jamais il y a des problèmes. Alors, évidemment que ça a comme soulevé un tollé dans Outremont. L'opposition s'est servie de cette affaire-là parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais Jérôme Choquette était le ministre de la Justice au moment où il y a eu la loi des mesures de guerre en octobre 70. Alors l'opposition a comme fait un petit parallèle avec ça à Outremont, disant « Bon, ça y est, M. Choquette, encore une fois, prend les grands moyens pour imposer sa loi. » Alors tu sais, on peut se questionner un peu sur l'opportunité d'engager des gardiens armés dans les parcs. Ces gardiens-là sont là à... Ils étaient là toute la journée, ils patrouillaient, tu sais, ils faisaient le tour, ils surveillaient. Et ils disaient d'ailleurs que c'était très tranquille, qu'il n'y avait eu aucun problème, on comprend, tu sais, avec le revolver. Il semble, bon, c'est ça, qu'il y a eu des problèmes avec les jeunes dans les parcs à Outremont. Ce seraient des jeunes qui viennent de d'autres quartiers et qui se rassemblent dans ces parcs à Outremont. Et enfin, ce sera sûrement à suivre, on va en entendre parler, évidemment, parce que je ne sais pas s'ils vont répéter l'expérience, mais en tout cas, déjà, c'est très contesté de la part des gens de là-bas. Ça peut devenir très dangereux aussi. Ben, c'est ça, c'est de répondre finalement par les armes, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Il ne faut pas tous s'armer parce qu'il y en a quelques-uns qui le sont, c'est le grand débat. Mais c'est Outremont. C'est ça, alors il paraît que c'est spécial. Autre chose dans l'actualité? Oui, Alliance Québec n'a toujours pas de tête. Est-ce que ça te fait de la peine, maman? Il y avait un congrès en fin de semaine, ils ont tenté de s'élire un président, mais il n'y avait pas de candidat. Alors, Alliance Québec n'a toujours pas de président, c'est toujours Peter Blakey qui assure un certain intérêt, mais ils se sont fait brasser pas mal, entre autres par Claude Bélan des Caisses Populaires des Jardins, qui est allé parler aux anglophones vertement. Mais Joanne, les choses se ressemblent, ça ne change pas finalement. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais non. D'accord, alors tu me gardes ça pour demain. Je me reprendrai, oui. On va écouter ensemble une chanteuse, vraiment, je l'aime beaucoup, elle. Elle est restée ici pour nous, elle s'en allait, puis elle est restée pour faire l'émission, je suis très content. Elle est très bonne. C'est Catherine Lara. Quand tu m'oublies, je perds un rêve.
Catherine, t'es terminée. Bonjour. T'es terminée hier ou... Avant-hier, samedi soir, samedi, on a fini. Au club sauna. Au club sauna. Au club sauna. T'aimes ça, le club sauna? Tu m'as dit que t'aimais ça. Oui, j'aime beaucoup cet endroit. Ouais. Parce que à la fois, on est près des gens et puis... je sais pas, il y a une espèce de magie, quoi. C'est un endroit magique. Ouais. Faisait trois ans. Comme la nuit du même nom. Oui, faisait trois ans que tu n'as pas venu me voir, je pense. Oui, ça devient un peu long, quoi. Ouais. Et puis là, tu dois retourner en France, travailler sur une comédie musicale, un opéra rock. Voilà. La nuit de Georges. Non, c'est sur la vie de Georges Sand. Ça va s'appeler Appelez-moi Georges. La nuit, là, je laisse tomber pour un instant, ça va. J'ai donné. Et puis tu vas nous revenir pour une tournée? Et puis je reviens à l'automne pour une tournée, voilà. Ouais. Ah ben, c'est fun. C'est la fête. C'est la fête de Catherine aujourd'hui. Ouais, j'ai 18 ans aujourd'hui. On va te chanter du Gilles Vigneault, on fait ça. Ben, merci d'être venu nous voir, Catherine. Plaisir. Je sais que tu t'en vas bientôt. Tu pars demain. Alors, bon voyage. Merci beaucoup. Et merci d'être resté pour nous. C'était un grand plaisir. Merci. On écoute maintenant, encore une fois, avec son dernier 45 tours. Comment ça s'appelle déjà, Joanne? Ça s'appelle « J'aurais voulu te dire » Joanne Blouin. J'aurais voulu te dire les signaux dans la nuit, les ombres où je me cache pour écouter la pluie. J'aurais voulu te dire mes rêves à venir, mais t'as voulu partir alors je l'ai déchiré. J'aurais voulu te dire les parfums qui me touchent, les secrets de mon âme, juste un doigt sur la bouche. J'aurais voulu te dire
Revenez-nous demain, on continue, on monte pas, on continue avec Pierre Flynn, Jerry Boulet, Marc Labrèche. Ça va être, est-ce que ça va être bien, ça va être? Joanne Côté sur la route des vacances et découvrez les attraits de Montréal. Auparavant, voyez à Ciné Collection l'excellent film de Bertrand Tavernier, Coup de torchon avec Philippe Noiret, après la pause.